Eh bien le bonjour, c'est Agi, bienvenue pour cet épisode 55 de l'aventure sur Dragon Quest 11. Va falloir qu'on rejoigne l'ergue d'Astronoma puisqu'on a un gros problème là, juste en haut dans le ciel. Et pour ça, on va aller parler au prince Faris, qui s'embrouille apparemment. Allez, nous devons nous approcher davantage. Impossible de lire les runes d'aussi loin. Mais, votre Altesse, je suis désolé, c'est beaucoup trop dangereux, je refuse. Connais-tu un moyen de déchiffrer ces symboles sans pénétrer dans l'ère d'Astronoma? Non, mais... Oh, petit prince, le gâteau! Quelle joie de vous revoir après tout ce temps. Sylvando, quelle agréable surprise! Le sultan nous a dit que vous seriez dans cet effroyable désert pour déchiffrer les runes d'une étoile en train de tomber. Ah, voilà, plus courageux que jamais. Haha, je ne fais que mon devoir de prince, voilà tout. Et vous, qu'est-ce qui vous amène dans cette ergue? Tout comme vous, votre Altesse, nous sommes venus étudier l'astre d'Ardoué. Sir Hendrick? Le Sir Hendrick, le héros d'Héliodore, ici dans mon royaume. Vous me connaissez, votre Altesse? Bien évidemment, vous êtes mon héros. Vous êtes le héros de tous les jeunes chevaliers. Servir sous vos ordres est mon but dans la vie. J'en suis honoré, votre Altesse. Le courage que vous avez déployé en vous aventurant jusqu'ici prouve que vous ferez un grand chevalier. Cela ne fait aucun doute. Vous n'imaginez pas à quel point vos paroles me touchent. Merci du fond du cœur. Désolé de vous interrompre, votre Altesse, mais puis-je demander où vous en êtes de vos observations? Vous sembliez attentiné contre arriver à notre arrivée. En effet, vieil homme, cet imbécile de savant est trop effrayé pour m'accompagner plus loin dans l'air. Mon érudition ayant ses limites, ces symboles risquent de ne pas signifier grand-chose pour moi, ce qui me laisse dans l'embarras. Eh bien, je crois pouvoir vous être utile, si vous me le permettez. Serais-tu une sorte de vieux sage tout ratatiné? Excellent, j'accepte ta proposition avec grand plaisir. Pour bien voir les runes, il nous faut se rendre dans les ruines au cœur de l'ergue. Retrouvons-nous là-bas. Pourquoi j'avais la tremblote là un instant? C'était bizarre. Oui, y a pas de souci. Rossard. Quoi, non, j'ai rien dit. C'est vieux mob ça. Non, même pas. Il a pas l'air effrayé. Si, il est effrayé. Ok, mais il me fonçait dessus comme un... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais! Ah, ils ont chaud eux. Cacte amphibien. Sympa. Petit point de teraflure. Je suppose qu'il a une... Ouais. Une bonne résistance en termes de PV. Un gros mob comme ça. Et même niveau défense. Hein. Il est pas mal. Alors on a débloqué ça. Super isolation. Très très bien. Tout ce qui souffle. Et pas lâche. Oh, il résiste. Bizarrement, il m'attaque pas. Peut-être un peu lent du jeu. 4200! Mais t'es sérieux? Je m'en fais 4 comme ça et c'est tout bon quoi. Il y a une monture. Et ce gros chevalier. Désolé! T'es pas voulu. Regardez le jour, on n'est pas la nuit. Pour l'objet, qu'est-ce qui s'est passé? On va dire t'as trébuché. Vous faites une sieste, petit gâteau? Et moi qui croyais que vous étiez venu pour étudier l'astre. Il est encore plus beau quand tu te trouves dessous. Combien sont-ils à avoir eu la chance d'admirer une telle merveille d'aussi près? Crois-moi que bientôt, il sera à portée de ton nez. Vous êtes un sacré numéro, mon cher. Ne changez surtout pas. Et que sont ces ruines? Pourquoi se dressent-elles ici, au beau milieu du désert? Elles ont toujours été ici. Depuis l'époque des grands-pères de nos grands-pères, quelque chose comme ça.
Poup. Dans la bouche. Elles ont été construites dans un but bien précis, je le sens. Oh, peut-être s'agit-il d'une sorte de scène? Quel cadre merveilleux pour jouer. Vous imaginez un peu? Vous aviez raison au sujet des runes, votre maîtresse. Je les aperçois aussi sur les surfaces de l'astre. Regardons ça de plus près, vous voulez bien? On va le voir comme ça. Un petit bonhomme? Je regardais hein, si je devais me soigner avant au cas où. Tu peux me voir? Oui. Ce qui signifie que tu es. Tout va bien, mon chou? Tu parlais tout seul? Et ce n'est jamais bon signe. Chose du passé, vers moi revenez. Que se passe-t-il? C'est un dragon à l'intérieur, non? L'astre. Il va s'écraser! Il va s'écraser sur nous! Oula! Mais sortez, Robert! Ne restons pas ici! Devons nous mettre à l'abri! Encore quelques instants, je crois pouvoir déchiffrer ces runes! Las. Moss. Je vous en prie, messire Théobert, c'est trop dangereux. Mais, qu'est-ce qui se passe? Nul n'a le droit de me défier. Ce monde est à moi seul. Était-ce le Seigneur des Ombres? L'astre, il a disparu. L'astre portait le nom d'Arduin, mais sa chute était-elle l'œuvre de cet ancien héros? Et cette ignoble créature à l'épée n'était-elle pas? C'était pas une ignoble créature, c'est Henrik. C'était le sauveur de Gallopolis. Il empêchait l'étoile de nous écraser. Le royaume est sauvé. Mon peuple me remerciera certainement quand je lui annoncerai la bonne nouvelle. Je rentre parler sur le champ. Vous savez où me trouver si vous avez besoin de moi. Butu. Ok. Kalasmos. Est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et si nous posions la question au sultan, c'est son royaume, il a peut-être une réponse. Il est tout triste.
C'est pétillant. Pimp. Ah là 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 là. Hop. Alors, je vais mettre la nuit. J'ai déjà dû combattre. Mais je suis pas très sûr en même temps. On va le combattre. Voilà. Ah, c'est beau. Tiens, comme je l'ai viré l'autre, ça tombe bien, elle est là. Si on pouvait retrouver des gluants de métal aussi, ça serait plutôt cool. Ça réduit, j'ai une protection sur moi. Qu'est-ce que tu as? Le truc pour endormir. Ouais, putain, ça serait bien qu'on le trouve. Allez, porte de nacre. C'est efficace. Un coup de parrainage sur le chevalier. Tel lui, il bouge pas. Hein. Et ça doit être bon. Ouais, c'est trop facile pour monter de niveau ici. Hein. Franchement. Ça se fait la bise. Se reposer jusqu'à la nuit tombée. Alors, l'objet. Sur l'ombre. C'était ici. Celui-là, je l'avais raté. On va pas le combattre. Peut-être ces ombres. Pas que j'aille voir au niveau bestiaire. Non. J'essaie quand même au maximum de le remplir. Même si je pense qu'on n'aura pas tout à la fin du let's play. Ouais, sur l'ombre. Toi, tu vas faire quoi? Super like pour finir le gros oiseau. Et résiste. Tiens, chevalier. Paralysé. Pratique l'âge du roi. On va faire bang. Super bang même. Hey, résiste le piaf. Hein. Je mets que dalle. Niveau 41 pour Sivando. Alors, épée... Ah, il y a peut-être ça qu'on voulait débloquer. Hop. Qu'est-ce que c'est? Chose de devenir hypertonique. Et eh ben, c'est intéressant. Donc, on a bien fait. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve juste ce genre de monstre? Voilà, non, on a ça aussi. Elle m'a vu d'ici. Ok. Bon, je vais remettre le jour. Et puis on retourne à Gallopolis. Se reposer jusqu'à midi. Voilà. Ville de Gallopolis. On va aller voir le sultan. C'est vrai que j'ai pas tout compris un peu ce qui s'est passé là. Viens à moi! T'as dû passer! Là d'un coup, t'as un chevalier d'ombre sombre, ténébreux, qui arrive. Et il a détruit la sphère. Ce monde est à moi. Ouais.
pour avoir ça à voir. De toute façon, il pourra peut-être nous dire de belles choses. Toi, tu dis plus rien. Ouais. Quand on a obtenu la récompense avec toutes les cibles abattues, je me serais attendu à mieux comme récompense quand même. Au lieu d'un chapeau de félicité. Allez, Minou. Flipette. Qu'est-ce qu'il fait le clou? Attends, j'ai envie d'aller le voir. Pourquoi il lève les bras comme ça? Ok, ouais, il est content. Voilà, comme ça. Non, je peux pas. Et tout. Quel soulagement de vous voir tous sains et saufs, mes amis. Quand l'étoile a volé en éclat, j'ai cru à le pire. Faris m'a raconté ce qui s'est passé dans le désert. Ah si, un sauveur l'a sujeté nulle part et a détruit l'astre avant qu'il ne dévaste mon royaume. Tout à fait. Mais j'attends encore un peu avant de le qualifier de sauveur. Pour l'heure, j'aimerais vous demander quelque chose, votre grandeur. Les runes sur la barrière entourant l'étoile formaient un mot. Kalasmos. Cela vous évoque-t-il quelque chose? Kalasmos. Malheureusement, non. Que ce mot soit inscrit sur une étoile doit signifier quelque chose. Quelque chose d'important. Quoi qu'il en soit, Ortega ne va pas disparaître tout seul. Nous avons encore du pain sur la planche. Mais c'était Robert, votre quête pour vaincre le Seigneur des Ombres et des Plumes. Le peuple de Galopolis priera pour votre victoire. Tout à fait. Et si vous avez besoin de quelque chose, faites-moi signe. Après tout, je vais quand même être environ. C'est tout? Bon, on va se parler d'ici. De Galopolis, après pour sortir. Ouais. Là, on va faire quoi? Aller du côté d'Yoto? C'est le truc qu'on pourrait faire pour le moment. Bizarre, hein, cette histoire d'astre, quand même. Vraiment très bizarre. Alors, dans ces étages. C'est des tâches. Alors, qu'est-ce que tu me veux, toi? Ça veut que lui appartienne l'éclat de l'astre d'Arduin. Ok. C'est un objet à chercher, pareil. Quand on fera les quêtes secondaires, je le ferai. Et on avait juste ça. Passer le désert au nord de la ville, au peigne fin, et on en trouverait peut-être. Je pense qu'il neige, je verrai approximativement la position de l'objet. On fera tout ça. Allez, mon cheval! On va changer de monture, tiens. On va prendre lui, même si c'est plus lent. Super décuplé, on va sur lui-même. Ça doit faire mal. Bon, ça passe. Large. Oh là 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 là. Elle fait plaisir. Hop. Regarde-moi la taille comparé à mon cheval. Énorme le truc. Lui aussi, il est content, il monte des dents. Est-ce qu'on peut y passer par contre? Je suis pas coincé par un chevalier et par un garde. Il y a aussi un coffre à Yoto à aller chercher au niveau de l'eau. Je pense qu'il y a de nouvelles montures. Oh bah bon.
Au revoir. Nouveaux objets et... Les monstres aussi. Alors mon gros. T'es tout fier, hein. Super d'essayer, hein. Hendrik, il a 400 PV, j'avais pas vu. C'est pas mal. Toi, t'es rafleur sur lui. Attends, est-ce que j'ai pas une griffe contre les démons? Les humanoïdes. Je sais pas si ça fonctionne sur le géant. Je ne sais pas. Je vais faire super glace. Et il y a vraiment tout type de griffes. Hein. Par là, je suis. Et aussi utile les uns que les autres. Ça, c'est un critique? Non? Ok, c'est un coup de pied. Arrête de m'empoisonner! Finis-les! Hop! Ouais, on est toujours dans du 4000. Ça roule. Ça roule bien. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Un gluant de poids. Ok. Faire ça sur lui. Faiblard. Mais il était beau. Ah moi je dis pas non que t'appelles des potes hein. Ils font ton groupe. Ah, moi aussi. J'ai pas un combo d'équipe. On va pas le faire. Hop. Yeah. Hendrik à ton tour s'il te plaît. Toi mets-toi en défense. Voilà. Ah j'ai du mal. Ça dégage. 5000. Bien, 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 bien. Oh, oh, oh. Oui. Allons voir Jade. Alors, on était parti sur du charme ou même en bas. Appel d'air. Ah oui, c'est le truc à débloquer après sur la droite. Pour avoir celui-là. Ah oui, mais non, c'était de la lance. C'est pas intéressant. Là, on a de la griffe. Bonus hypertonique. Ouais, je pourrais faire ça. Après, il ne reste plus que griffe personnelle. Qui est pas top, mais bon. Je vais pas chercher bonus hypertonique. Théo! En canne. Ouais. Celui-là. Un peu plus de PM, ça va être utile. 16 points. Et j'avais Hendrik aussi. Je sais pas si je peux. 16 points. Oh si. Héroïsme. Bah, faut 14 de la force. Bien bourrin. Il y en a partout de ces bestioles. C'est pas ici que ça va m'intéresser. C'est bien plus loin. Ah, parce que là, il n'y a rien d'autre à aller chercher. Les points lumineux, c'est au niveau du chemin tout droit. Vers le pont. On va aller prendre ça là-haut. Tiens, est-ce que ça va être ouvert maintenant derrière ? Au niveau du volcan. Hop. Alors je sais que je suis obligé de me reposer, mais étant donné qu'on a fait des combats, on va mieux se soigner.
Hop. Les sarcimoles sombres. Ils ressemblent tellement à rien. Niveau 40, 41. On est bien en termes de niveau. Pourtant en XP sans plus, hein. C'est vraiment, on trouve quelques monstres, on en fait. Il va falloir que je passe, mais par l'autre côté. Ça bouillonne. Ouais. Même ici au niveau de cette rivière. Alors, point lumineux. Il y a celui qui est là-haut que je peux pas aller chercher. Et l'autre, pareil. Donc là, il me faut une monture. Je peux en trouver une. Ah, j'aurais pu aller chercher des minerais aussi de ce côté. Tant pis. Ding! Et du fer. Peut-être de ce côté. Ça se trouve, la monture, je vais aller la chercher, mais vraiment là-haut. On l'avait vu. Je pensais qu'il y en aurait un peu plus proche. Ça a pas l'air d'être le cas. Ah non. Bon, on va aller la chercher. Alors, voilà du tout le camp. Je vais pouvoir sauter et descendre. Apparemment. Peut-être un peu plus loin encore, il y en avait. Au niveau de la porte du départ. Là, je suis où? Ok. Voilà. Je vais chercher le minerai, comme je l'ai dit. De fer et de cuivre et pas d'or. Tiens, je vais prendre ça aussi. Hop. Bon, il y a certaines ressources quand même qu'on n'utilise pas, qu'on n'a jamais utilisé. Huss. Super décéléro. Qu'est-ce qu'il fait? Là, t'as rien d'autre, toi. Une petite envoi de baiser, tiens. Hop. Balance super glace. Oh, très efficace. Foudre. Thunder. Ça, ils ont pas aimé. Ça, c'était un petit groupe de monstres. 3400. Allez, on repart de l'autre côté. Cherchez pas lumineux, le coffre. Ça passe, hein. Oui, ça passe. Yep. Mandar a bloqué un instant. Ok, ouais, je peux sauter. J'aurais pu mettre aussi des montures de ce côté. Hé hé. Ça met nous ça. Je peux y aller? Non, je ne peux pas. Allez. Là-haut. Je prends ça. Pierre ésotérique. Très, très bien. Et le coffre, flaque de route métallique, encore une fois. Et on a tout. Super. Direction Yoto. Est-ce qu'on peut pas retrouver une mage ici? Veronica ou Serena? Ouais. Un monstre rôde.
Va voir Miko au temple, elle t'expliquera. Je vais faire ça. Encore une fois, j'allais voir les armes, les armures. Hop. Bonjour. Ah. Ok, bon. Je présume que je pourrais rien faire tant qu'il y aura ce monstre. Attends, c'est où? C'est là. Le sanctuaire de l'autre côté. Pas de point lumineux? Pas de point lumineux. Enfin, s'il y en a, on a déjà récupéré. Ah, ça a manqué cette ville. Les bambous. Et le style aussi. Vraiment son style. La triste nouvelle, la victime du monstre, sommeille tel l'ours. Maîtresse Miko, la bête rôde encore. Reportons le rite. Silence, Vermisseau. L'esprit d'un moine vaut bien celui d'un monstre. Maudite blessure, le rite est inachevé à cause d'elle. Voilà quelqu'un hein, qui vaut sans doute mieux prendre avec des pincettes. Qu'est-ce que t'as dit? Oh, des visiteurs! Pardonnez ma colère, la honte m'accable. Point de hasard si le vent vous a guidé ici. Écoutez-moi donc. Du mont enragé, nous accomplissons le rite, sinon nous mourrons. Le désastre guette, un moine envoyé prier sur sa route une bête. L'ennemi, affreux, tout de griffes et de crocs, une fuite effrénée. Terrasser cette bête est mon plus grand souhait, mais je suis blessé. Plaie infligée par Tsatsunaga, le monstre que j'ai vaincu. Foin et déconvenance, la bête menace nos vies. Veux-tu la tuer? Bah ouais. Béni soient ces mots, t'es la steppe en plein été, béni la pluie. Dirige-toi à l'ouest, vers un sentier de montagne, là la bête attend. Ô esprit du mont, gardien des rocs et du feu, protège ses guerriers. Bon voilà, ça c'est fait. Rendez-vous au mont Yuji dans la vallée d'Yoto et réglez son côté monstre qui se trouve là-bas. Hop. Et bien, on va y aller. Mais bien sûr, tu t'y attends. Ce sera pour le prochain épisode. J'espère que t'as apprécié celui-ci. Rendez-vous pour la suite de l'aventure Dragon Quest XI. Sur ce, porte-toi bien. Kiss Love Care. Des bisous. Et à la prochaine. Moi aussi, je vais jouer avec le gong.